Bonjour, je m'appelle Léo Roussel, je roule actuellement en catégorie KF1. Je vais vous présenter le tour de piste de Varennes lors du championnat d'Europe Sud. Là, on arrive dans la ligne droite assez longue. Après, on va arriver sur un gros freinage, une épingle gauche. Donc, elle est assez difficile, il y a un peu de bosse au freinage. Voilà, une sortie. Après, on arrive sur une chicane qui se passe à fond. Pour arriver au freinage du camping, une épingle droite. C'est difficile à négocier. En sortie, il faut absolument pas prendre le vibreur qui est assez lourd, assez gros. On va attaquer une grande portion rapide avec un droite qui se passe quasiment à fond. On arrive dans une portion de ligne droite avec arriver à un freinage, un gros freinage, le freinage du pylône. Donc là on arrive à la sortie du secteur 2, on va attaquer le secteur 3 avec un double virage, avec une sortie un peu resserrée contrairement à l'entrée. Une portion encore de ligne droite pour arriver dans une courbe droite extrêmement rapide. Donc celle-là elle est très importante parce qu'on conditionne toute la ligne droite. Voilà.